Salut tout le monde, c'est le mec Valérie, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est pas nickel. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. J'avais déjà fait une vidéo précédente, comment est-ce qu'acheter Kishi Inu et Shiba Inu sur Get.io. Donc après, il y a des gens qui m'ont demandé comment est-ce que je peux ils peuvent acheter facilement. Voilà. Donc le truc, c'est très simple. Ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre Google. D'abord, je vais mettre le lien de Racer Exchange en description. Voilà. Je vais vous mettre le lien de Racer Exchange en description. Ok. Aussi, ce que vous devez avoir, c'est de créer un compte Perfect Money. Voilà. Vous venez là. Et vous créez votre compte Perfect Money. Vous installez et vous créez tout simplement votre compte Perfect Money. Ok. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Perfect Money, vous allez venir ici, vous allez créer votre compte Racer Exchange. Ok. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Sign In. Voilà. Vous cliquez là. Non. Attendez. Je crois que c'est Sign Up. Donc, vous allez cliquer sur Sign Up. Voilà, là. Et tout simplement, vous allez créer votre compte. Ok. Pour ce qui concerne l'email ici, pensez bien à écrire votre email en totalité. Voilà. Pensez bien à écrire votre email en totalité. Comme cela. Ne faites pas ce que lorsque ça va afficher et puis vous allez taper maintenant. Écrivez lettre par lettre, d'accord? Donc une fois que vous avez fait cela, vous serez connecté tout simplement. Donc moi, je me connecte à mon compte. Ok? Donc une fois que vous avez créé votre compte Racer Exchange, tout simplement ici, le dépôt minimal c'est 7000 francs. Voilà. Donc je pense à ce que vous allez créer votre compte de 10000 francs. Bon, à 10000 francs, ça peut aller. Ok? Donc 10000 francs. Ensuite, là. Dans la première partie là, vous allez sélectionner le mobile money que vous voulez. Vous voyez, il y a MTN Money, il y a Orange Money, il y a Move Money. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Là, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même pour ceux qui sont, au Burkina, au Togo ou autre. Là, vous allez, ils vont vous afficher un autre truc. Voilà, ils vont mettre Orange Money Burkina, MTN Money Burkina, un truc de ces gens là ok, comme ils sont en Côte d'Ivoire, ils prennent MTN Money Côte d'Ivoire. Ensuite là, vous allez mettre 7000 francs avec les frais, ça sera 7600. Donc je conseille à ce que vous mettez 9400 pour celui qui s'est rechargé 10000 francs. Ensuite là, vous allez mettre tout simplement Perfect Money. Voilà, Perfect Money. Pourquoi je demande à ce que vous mettez 10000 francs? Parce que là, lorsque vous allez essayer de recharger votre compte encore Perfect Money, ici là, vous allez recevoir 15 dollars. Et ensuite, on va partir dans un autre truc et là-bas aussi, vous enlevez des frais. Donc, ça pourra venir à 13 dollars ou 14 dollars, un truc de ce genre. Donc, j'ai la raison pour laquelle j'insiste à ce que vous rechargez 10000 francs. Ok. Donc, une fois que cela est fait, vous allez tout simplement cliquer sur Exchange. Ensuite, là, vous allez remplir tout simplement vos coordonnées. Voilà. Vos coordonnées. Regardez bien ici, là. Là. Regardez bien là. Voilà. Là, votre numéro doit être précédé de 225 pour celui qui est en Côte d'Ivoire. Et celui qui est au Burkina, 226 par exemple. OK. Ensuite, c'est parti là. Vous allez copier votre compte Perfect Money en U. Voilà. Donc pour faire cela, c'est très simple. Moi, je prends ça comme un exemple, ok? Donc, je prends ça comme un exemple, d'accord? Donc, une fois que votre compte est créé, vous allez avoir ces trucs, ce genre de trucs là qui va apparaître, voilà. Donc, vous allez prendre le premier U, mais le deuxième U si vous voulez, voilà. Donc, vous prenez le premier U, vous regardez bien et vous le copiez. Vous regardez bien, vous l'écrivez sur une feuille et ensuite. Le U, c'est U majuscule. Donc, vous allez venir, vous allez le recopier là. Vous voyez là, vous allez le recopier là. D'accord? Quand je dis là, c'est ici, là. Ensuite, deuxième 3, ils vont vous demander à ce que vous mettez votre numéro de téléphone encore. Donc, le numéro de téléphone, moi, je vous rappelle, mettez le numéro de mobile money que vous voulez vous recharger. Donc, ici, vous allez mettre un plus. Ça va être possédé d'un plus. Pour ceux qui sont encore devant, c'est plus 225. Ceux qui sont en autre pays, vous connaissez le bail. Donc, vous mettez là et là, vont vous faire un petit truc à mettre. Voilà. Si vous ne connaissez pas la réponse, tout ce que vous devez faire, c'est simple. Putain, attendez là.
Donc là, vous allez mettre les puces, ouais, vous allez les puces, tout ça. Donc ici, pour celui qui ne connaît pas, là, la puce, ça va rechercher notre réponse plus facile. OK? Donc ensuite, vous allez cliquer à 8 et vous mettre ce paiement. Et vous suivez les trucs pour vous confirmer le paiement. Voilà. Donc, une fois que le paiement est confirmé, on se retrouve sur la deuxième page. OK, donc la deuxième page, c'est ça. OK. Là, c'est un truc qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas. Pourtant, tu peux faire plein, plein de trucs ici. Tu peux télécharger tout, tout. OK, ici, on n'a pas besoin de créer un compte. Voilà, pas besoin. Et je tenais à vous préciser quelque chose. Une fois que vous allez finir de recharger, vérifiez à ce que votre compte parfaitement soit rechargé. Si c'est 10, c'est 15 dollars, vous allez dans mes 15 dollars ici. D'accord? Voilà, une fois que vous allez rester dans Perfect Money, venez ici sur ce site-là. On n'a pas besoin de créer un compte. Voilà, c'est très simple et rapide. Donc, vous venez sur Exchange Bitcoin. Ok, ensuite ça charge. Voilà, attendez. Coin token from. Ok, donc je comprends pas, c'est que les gars, le site il a été un peu modifié. Voilà, il a été un peu modifié. Je crois que c'est amélioré un peu. Voilà, donc je suis nouveau comme vous. Donc ce que je disais, c'est quoi? C'est que ici la monnaie existante de base, ça va être en anglais. Vous voyez, moi je l'ai traduit. Voilà, moi je l'ai traduit. Donc ici, le premier truc, vous cliquez, on dit la monnaie existante, vous allez chercher Perfect Money. Voilà, nous avons Perfect Money qui est là. Ça là. Donc, on prend Perfect Money. Ensuite, le montant que vous avez. Donc, c'est-à-dire le montant que vous voulez payer. Donc, nous, on va mettre, là-bas, c'était 10 dollars, la reçu 15,6 dollars. Donc, ici, on va mettre 14. 14, bon, 14,7, je crois bien. Et ensuite, là, on dit la devise ici. La devise dont vous avez besoin, vous allez cliquer et vous allez sélectionner TT30. Ok, ça là, c'est ça que vous allez prendre. Regardez bien lui là. Voilà, donc vous le prenez. Ensuite, vous allez recevoir 13 dollars. Ok. Pourquoi il y a mis 14,7? Parce que lorsque vous allez confirmer le paiement, ils vont enlever des frais. Voilà, ils vont enlever des frais. Donc vous allez recevoir 13 dollars de ce genre comme ça. Ou bien vous pouvez mettre, vu qu'on a reçu 15,6 dollars, je crois que si on met 14,8, voilà, comme ça vous allez recevoir 14 dollars. Ok, voilà, je trouve que ça c'est très bien. Ok, donc ensuite, on dit, si on dit your wallet de ce genre là, donc pour faire cela, on va aller créer un autre compte. Vous allez installer l'application Binance. Ok, vous installez l'application Binance. Là, je sors. Voilà, pour ceux qui connaissent Binance, c'est Play Store, l'application numéro 1 des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est la meilleure. Ok, vous allez Binance et vous allez l'installer. Ok, donc moi je me connecte et on se prend tout de suite. Ok, les gars, donc je me suis connecté sur un compte. Donc, comme vous le voyez, nous sommes là. C'est que une fois que vous avez fini de créer les trucs là, ils vont vous pendant la création, vous demander une idée parrainage, tout ça. Les gars, ne mettez pas l'idée parrainage, laissez, voilà, et vous continuez le paiement, laissez l'idée parrainage s'il vous plaît. Voilà, parce que je sais qu'il va recevoir plein de personnes qui vont me demander l'idée parrainage. Laissez l'idée parrainage s'il vous plaît. Ok, donc une fois que cela, vérifiez bien si votre token, vous devez attendre, vous faites cela. Il y a la petite tête à vous appuyer. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que, comme vous voyez là, le Binance Lite est activé. D'accord? Donc, on va le désactiver. Je le désactive. Voilà, il est désactivé. Donc, une fois qu'il est désactivé, vous allez cliquer sur portefeuille. Là, portefeuille. Ok? Vous cliquez sur portefeuille. Ensuite, vous cliquez sur, sur dépôt. Voilà, dépôt. Ok? Ensuite, une fois que vous appuyez sur dépôt, là de base avec ces crypto, voilà, si vous regardez bien que c'est ces crypto, donc vous allez taper dans la barre de recherche USDT et là vont vous faire sortir ça.
Ok, donc c'est là que la partie devient un peu intéressante. Vous voyez, il y a le egg 20, il y a le beb 2, il y a le beb 20 et il y a le tronc 20. Ok, nous tout ce qui nous intéresse c'est le tronc 20. Ok, donc vous allez appuyer sur le tronc 20, appuyer sur le tronc 20 TRC20. Vous appuyez là-dessus et là, ils vont vous montrer une adresse de ces gens-là. D'accord, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier. Une fois que vous l'avez copié, vous allez aller là. Ici, et on dit your wallet PNB et vous collez. Une fois qu'on dit your wallet, là vous collez et ensuite là vous allez mettre votre adresse jumée. Bon, mettez votre adresse jumée de Perfect Money, comme ça, ça va aller plus vite. Ok, donc vous mettez votre adresse jumée de Perfect Money. Ok, donc je me connecte et on continue. Donc, une fois que vous avez votre adresse email, là il aura. Ça va venir sortir comme ça. Donc ici, ils vont demander à ce que vous saisissez le code. Voilà, le code. Ok. Ils demandent à ce que vous saisissez le code. Je tiens à préciser quelque chose. Une fois que vous avez mis votre adresse ici là, vous devez accepter les conditions d'utilisateur. Ok. Accepter les conditions d'utilisateur. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc une fois que ici là, vous allez saisir ce qui est là. Donc on va saisir ensemble. 3 S R, U, E. Regardez bien parce qu'il y a des majuscules et il y a des minuscules. Ok, là je crois que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. Donc une fois que vous allez faire une fois que c'est comme ça, ça vous ramène ici là. Ok. Donc là, il y a Make Payment. Ok. Donc on appuie sur Make Payment. Ok. Make Payment, on appuie dessus. Et là, vous allez vous connecter sur votre compte Perfect Money. Voilà, donc là vous mettez votre ID d'utilisateur, vous mettez votre mot de passe et après vous allez saisir ça là, ici là. Ok, donc vous saisissez ici, donc vous la saisissez là et puis ensuite vous mettez Prévu et Payment. Donc après ça va vous ramener sur une autre page pour dire vous voulez connaître le code qui est envoyé sur votre Gmail, vous recopiez le code, vous le collez. Ensuite ils vont mettre la totalité, voilà, ils vont mettre les frais. Pour celui qui va mettre soit insuffisant, et il va repartir derrière. Voilà, là où on a mis 14,8, pour lui c'était, si ils ont mis son insuffisant, il va diminuer un peu à 14,5, un tout de ces gens. Mais pour celui qui s'est chargé 10 000 francs, il a eu 15,6 $. Lorsqu'il met 14,8, ça passe nickel. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez attendre 10 minutes, je crois, environ 10 minutes, un tout de ces gens, pour que vous puissiez recevoir l'argent là. Ok, donc moi j'ai créé un autre compte pour vous. Ok, donc une fois que vous allez recevoir l'argent, de toutes les façons, on vous envoie une notification. Donc là, ça sera marqué 14, ouais, parce qu'ils ont dit 14,8, vous allez recevoir 14 $. Donc là, ça sera marqué 14 $. Ok, donc une fois que c'est là, le truc va aller rapidement. Donc on retourne dans accueil, vous voyez dans accueil. Ensuite, là, dans la barre de recherche, on va taper. On va taper Shiba, Shib, on tape Shib. Voilà, quand vous tapez Shib, comme vous voyez, il y a les USDT, il y a les BUSDT, il y a les Euro, il y a les Ruby, je crois bien, et il y a plein de moyens. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les USDT. Voilà, c'est les USDT qui nous intéresse. Ok, donc on va prendre pour celui du USDT. Voilà, donc une fois que c'est comme cela, on va cliquer sur acheter. Attends, je vais changer la couleur là. Mettre couleur bleue, voilà. On va cliquer sur acheter. Voilà, ici acheter. Voilà, acheter. Ok, donc une fois que vous cliquez acheter, là les gars, il n'y a pas de frais, ça va vite, c'est rapide. Il n'y a pas trop de frais, ça va, c'est rapide. Donc ensuite, vous avez mis odd limit. Voilà, là il y a l'odd limit ici. Ok, donc vous cliquez sur odd limit et on va mettre odd market, l'odd du marché, c'est-à-dire que vous voulez l'acheter au prix du marché. Voilà, moi je ne suis pas un trader, donc on fait le truc pour celui qui va acheter direct. Donc ici, le montant, pour celui qui s'est rechargé, qui a reçu 4 $. Donc pour celui qui a reçu 4 $ et 14 $ plutôt, il va mettre 14 $ là. Voilà. Ça, c'est si il veut prendre, s'il veut utiliser tous ses fonds. S'il veut utiliser tous ses fonds. Comme là, dispo, vous voyez ici, mon mis 0 parce que pas de TT, USDT.
Donc là, pour celui qui veut utiliser tout son argent là, il va cliquer sur 100%. Il appuie sur 100% et puis ça va lui mettre, ça va lui prendre tout son argent. Maintenant, pour celui qui s'est rechargé, qui a reçu 14 $, il veut utiliser, il va mettre 12 $, voilà, ou bien 13 $. Je tiens à préciser que ne mettez pas une somme de 10 $ ou bien de 9 $. Voilà, la somme doit être supérieure à 10 $. Voilà, donc vous pouvez mettre 6,5 ou bien 11 $. Donc pour celui qui s'est rechargé, il pense qu'il veut mettre, il veut tout mettre dans le Shiba et il met 100% tout simplement, il ça va prendre tous ses fonds. Voilà, ou bien il écrit 14, ce qu'il a reçu, puis il utilise, voilà, tout simplement. Donc une fois que vous allez mettre 14 par exemple, je vais mettre acheter Shib, ok. Je vais mettre acheter Shib, voilà, vous voyez là, ils m'ont dit que, vous voyez là, ils m'ont dit que mon solde est insuffisant, voilà. Donc c'est pour la raison pour laquelle ça n'est pas passé. Donc pour celui qui s'est rechargé bien, tout passera nickel, ok. Donc aussi il y a une autre chose, il y a des gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on recharge son compte, on paye les cachets unis, ok. Pour toucher cachets unis, on peut pas faire sur Binance parce que Shiba, ils ont eu la chance, ils ont été listés sur l'application Binance, voilà. Cachets, ils sont pas listés sur Binance. Donc pour acheter cachets, on passe par une autre application qui s'appelle Get.io. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais mettre la vidéo en description, voilà. En description, le dernier lien, ça sera ça la vidéo où je montre comment est-ce que vous devez acheter cachet uni. Voilà, donc là il n'y a plus rien à faire, tout est prêt. Donc une fois que vous allez filer tout ça, vous allez venir dans la page accueil et vous allez sélectionner là où il y a la petite tête là, vous appuyez tout simplement et vous allez activer le mode light, ok. Vous activez le mode light comme ça, voilà. Une fois que vous activez le mode light, vous allez venir dans portefeuille, voilà. Et là il va vous montrer, il va vous écrire Shiba, là, Shiba Inu. Et puis il va vous mettre le million que vous aviez, voilà, la somme que vous avez de Shiba Inu. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, et puis c'est terminé. Et pour revendre aussi, c'est très simple. Vous allez cliquer là, ici, là. Ok. Donc, vous allez deux flèches, puis ça là. Vous allez mettre convertir. Ok, convertir. Ok, donc en premier, vous allez sélectionner Shiba. Shiba Inu. Vous voyez là, vous sélectionnez Shiba Inu. Ok, donc moi j'ai cliqué dessus, donc vous mettez confirmer. Et en deuxième, vous allez sélectionner. Vous voyez là, on peut uniquement que la changer en 3 devises. Ok, en 3 devises, voilà. Et c'est qu'il y a des gens qui vont devoir changer en Bitcoin et tout ça. Donc, vous pouvez la changer en BUSD, ok. Vous la changez en BUSD, là, ok. Ou bien en Dogecoin USDT. Donc, pour celui qui l'a changé en BUSD, il met confirmé. Et une fois qu'il l'a changé en BUSD, il va mettre 10 millions comme ça. Voilà, je vais mettre aperçu de la conversion. Là, il m'a dit que mon solde est suffisant. Donc, là, on dit que je vais recevoir secondef.mbusd. Donc là, mon compte n'est pas, il n'y a pas d'argent de mon compte. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez mettre confirmer. Ok, donc une fois que vous aviez confirmé ça, ça va pas prendre plus de 10 secondes. Tous vos chips vont se transformer en BUSDT. En BUSD, voilà. Donc une fois que c'est transformé en BUSD, là, vous allez cliquer sur le premier là et vous allez venir cliquer sur BUSD. Vu que ok, en BUSD, vous voyez, vous cliquez sur BUSD. Maintenant là, lorsque votre, vous avez choisi BUSD, là, vous pouvez troquer la monnaie que vous voulez. Voilà. Donc, pour celui qui veut troquer en Bitcoin, il sélectionne Bitcoin. Ethereum, il sélectionne Ethereum. BNB, il sélectionne BNB. Voilà. Pour ceux qui prennent Bitcoin, par exemple, et Bitcoin, il y a plein d'applications sur lesquelles les revendre. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, il y a fait, je crois. Donc, là, on paye là, après, en Bitcoin ou en ce que vous voulez, vous mettez aperçu de la connexion. Et là, ils vont vous mettre le montant total de bitcoins que vous devez recevoir. Voilà. Ils vont dire que vous devez recevoir 2 bitcoins. Voilà. Ça, c'est pour celui qui a gagné assez. Sur 2 bitcoins. Ou bien aussi, vous pouvez sélectionner BNB. Voilà. Et là, ils vont vous mettre le montant total de BNB que vous devez recevoir. Tout simplement. Donc, pour revendre ces bonnets-là, c'est très simple. Je ferai une vidéo là-dessus. Je crois que j'ai déjà fait cette vidéo, mais je vais la refaire encore parce que je crois qu'il y a d'autres pourquoi bien saisi. Donc, je vais la refaire pour vous. Donc, les gars, c'est déjà terminé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, c'était Robert Cavallero. Toujours des nouvelles astuces. Voilà. Donc, bientôt, je vais faire une nouvelle vidéo encore sur les shitcoins que vous devez avoir. Parce que la prochaine vidéo, vous avez kiffé.
Voilà, il y a eu assez de vues, assez de likes. Voilà, donc, bon, je vous dis ciao, ciao. C'était le Bec Camaleo. Allez, peace.